Azul. Salam alaikum. Bonsoir à tous. J'ai dans l'esprit deux proverbes. Le premier dit « Il faut de tout pour faire un monde ». Vous en donnez un exemple magnifique. Des langues diverses, des rythmes divers. Et il faut de tout pour faire un monde, ça veut dire quoi? De la musique forte, de la musique douce, de la musique du silence parfait, du silence dans lequel on entend les voix qui nous permettent de monter vers les ancêtres, qui nous permettent de monter vers l'humanité tout entière, qui nous permettent de communier par-delà la diversité des langues. Il y a eu la malédiction de Babel. Dans la tradition chrétienne, il y a un jour qui inverse la tradition de Babel. Ce jour, c'est la Pentecôte. Et d'Arabie, Moyen-Orient et Mésopotamie, d'autres, le levain des langues d'Espagne, du Mexique et de l'Amérique australe, d'autres, le fluide fécondant de France, du Québec, de Belgique, et enfin d'autres venus de tous les azimuts des mots. Nous avions et nous allions rencontrer quelques Younes, Risha, Hassan, Hamza, Abdel, Ahmed, Nourreddin, Abdullah, Mohamed. Et le temps s'était dissous tous ces jours-là, comme un ciel infini. Younes ? C'est pourquoi je vais vous annoncer qu'on est aboli. Que les rencontres ne se produisent pas en vain. Et je découvre une autre chose. C'est que, dans cette enceinte, vous avez réussi à abolir le temps. La poésie, c'est l'abolition du temps. Vous nous avez initiés à l'abolition du temps. Et comme nous avons aboli le temps, je prendrai tout le temps nécessaire pour vous dire quelques mots avant de lire, et de lire avec. Mon camarade Sergio, avec qui je travaille depuis longtemps, pour produire poésie et musique en même temps. Et mon camarade Morten. J'avais accompagné Sergio avec les cheveux devant la tête. Il s'agissait d'un prologue pour quelque chose que je suis en train d'écrire et que je voudrais vous offrir. Qu'est-ce que c'est que ce prologue? C'est une invocation pour avoir l'écoute dans le silence, l'écoute dans la musique spirituelle. Le samar des soufis. Et pourquoi cette invocation? Parce que je suis en train d'écrire ce que j'ai appelé l'épopée des épopées, c'est-à-dire la grande la parole. J'ai rencontré là-bas des gens extraordinaires, je vais parler d'eux dans ce quatrième et dernier extrait que je dédie à toute l'équipe qui entoure M. Bouziane. Je ne vais pas tous les citer, certains se reconnaîtront, Mohamed, Wissam, Hicham et quelques autres. Je vous remercie de votre attention. Nous partons dans les quatre étapes. Je vais faire précéder les extraits par quelques vers que j'ai écrits qui vont faire partie de l'épopée, un hommage au grand poète du Nicaragua, Ernesto Cardenal. Poète par milliers, nous voulons qui propageait dans les âmes ailées